virusé par le Covid-19. Les journées promotionnelles de dégustation du café et du cacao signent leur grand retour. Et c'est la place de l'Indépendance, sise au cœur de la capitale, qui offre son hospitalité aux torréfacteurs venus de divers horizons. Nous sommes les habitués de cette journée mensuelle de dégustation de promotion. Et quand il y a la reprise, c'est déjà un remerciement à l'endroit du CCC et ses encadreurs. Maintenant, c'est aussi un réel plaisir de retrouver nos fidèles consommateurs qui commencent à venir. Nous sommes déjà satisfaits de la fréquentation et les retrouvailles avec nos anciens consommateurs. Déjà pour davantage se faire connaître et montrer le savoir-faire camerounais. Généralement, lorsqu'on pense au chocolat, on pense à l'autre côté. Aujourd'hui, nous avons des maîtres chocolatiers camerounais qui transforment le cacao camerounais en chocolat. Au-delà des classiques que nous connaissons, à savoir les tablettes, nous avons ce qu'on appelle les bonbons chocolat, qui nous permettent d'avoir du chocolat facile à distribuer, à partager en famille, dans des séminaires et même pour des cadeaux qu'on voudrait offrir aux amis qui sont de passage au Cameroun. Le public venu nombreux ne boude pas son plaisir. La dégustation est sur toutes les lèvres. C'est le café camerounais. Il n'y a pas meilleur dans le monde que nous. Le café, ce n'est pas seulement sa couleur. Le café, c'est son parfum. Le café aussi, c'est sa mousse blanche, comme nous voyons. Parce qu'ailleurs, il faut déployer les espressos pour obtenir cette mousse. Mais quand on a de l'original, la mousse y arrive seule. Ça, c'est notre propre café, le café du Cameroun, l'original. Nous avons la grâce d'avoir ce produit qui nous met à jour et qui nous accompagne au quotidien dans tout travail que nous entreprenons. Les retrouvailles sont chaleureuses. Quoi de plus normal lorsqu'on sait que pour le cas du café, ses vertus sont nombreuses. Le café n'entre pas encore dans les habitudes alimentaires des Camerounais, donc il faut qu'on se rapproche le plus près possible d'eux pour les inciter à consommer le café en leur vantant les vertus du café. Les principales, les plus connues, c'est la prévention des diabètes de type 2, c'est la prévention des maladies comme Alzheimer, c'est l'éveil, c'est la perte de poids pour les femmes qui sont en régime, c'est la facilité de digestion, il y en a, elles sont nombreuses, elles sont plus de 1000 scientifiquement reconnues. C'est vrai que depuis la première édition des journées de dégustation mensuelle, la population a augmenté, les commandes ont augmenté, les prospects sont devenus des super consommateurs. Donc oui, la consommation a vraiment augmenté. Et même au niveau des ventes, on ressent beaucoup d'amélioration. Le Conseil interprofessionnel du cacao et du café marque ainsi un grand coup avec le retour sur la scène de cette activité promotionnelle qui met en avant le Made in Cameroun. Pour accentuer la promotion de la transformation et de la consommation local des produits dérivés du cacao et du café made in Cameroun. Ça se passe bien puisque les opérateurs ont répondu présent. Sur le site, vous pouvez le constater, nous avons des transformateurs locaux de cacao qui sont là et des torréfacteurs de cacao. Bien que la reprise soit timide, mais le public a répondu présent. Nous espérons que lors des prochaines éditions, il répondra massivement présent. Les journées promotionnelles de dégustation du café et du cacao ont lieu tous les derniers mercredis du mois. Après la longue pause consécutive au Covid-19, les acteurs de la filière cacao-café, sous la houlette du CICC, reviennent en force. Plus que par le passé, les produits de terroir auront droit de cité.